Juste pour la petite info avant le début de l'épisode, je ferai un live ce soir qui commencera entre 18h et 18h30. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur mon Twitter pour voir justement quand ça commence, pour avoir plus d'informations, ou bien de commencer à regarder ma page Twitch à ce moment-là, quoi. Donc ça commencera entre 18h et 18h30 ce soir, donc le... Ouais, bah le lundi 18 août. Donc voilà, je ferai du Inazuma Eleven Go 3 Galaxy. Je n'utiliserai pas la Team Kaminari, mais je ferai plein de choses. J'entraînerai des joueurs, je ferai des matchs. Donc voilà, je pense que ça pourrait être un live sympa. Il sera peut-être rediffusé sur la chaîne, mais quand même, venez nombreux, c'est toujours plus sympa quand on est nombreux. Donc voilà, à tantôt et bon épisode. Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 du Kaminari Challenge. C'est parti, hein, écoutez. Oh, c'est un pur bonheur. Ok. Il y a vraiment des gens cons, hein, vraiment. Suis désolé de le dire, mais bon, voilà. Donc oui, après l'annonce magnifique d'hier, si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. C'est Annonce plus Tales of Xillia. Voilà, c'est pas parce qu'il a mis Tales of Xillia qu'il y a rien d'intéressant dans la vidéo. Non, il y avait le planning, il y avait l'avenir de la chaîne. Bref, si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo. Donc voilà. De toute façon, je fais pas ça pour me prendre des views, vu qu'avec les droits d'auteur, je gagne rien sur cette vidéo. Non, mais on ne sait jamais, hein, voilà. Vous, allez, toi qui m'écoutes peut-être, tu ne comprends pas ce que je dis, mais peut-être qu'il y a un autre fou. Qui ne comprendra pas ça. Bref, on va rajouter une petite joueuse dans l'équipe, hein. Oups. Mais le problème, c'est que je ne sais pas qui, vu que je n'ai aucune de ces adultes, en fait. Dommage que Kinako soit pas là-dedans, hein. Bien grande Kinako, mais non, ça c'est pas possible. Il n'y a pas grande Kinako. Poupidou. Non, ça c'est. Ça, je vais me prendre un copyright là-dessus. Et merde, Andy. Non, sérieusement, je vois pas qui j'aurais en grande meuf. En meuf grand. Qui était dans la précédente équipe. Du coup. Oh, Arukadi! Arukadi! Non, non, non. Ah, j'adore. Arukadi, c'est vraiment. Mais allez, allez. Les cheveux orange, quoi. Orange, une de mes deux couleurs préférées. Me demandez ma couleur préférée, j'hésiterai toujours entre l'orange et un bleu, mais c'est un bleu très précis en fait. C'est ni trop clair ni trop foncé. C'est vraiment un bleu précis. Par exemple, non, je vais pas donner d'exemple. On va continuer. Non, non. Bah écoutez. Il y avait pas Mako. Il n'y avait pas Mako. Oh, elle a un Kishin. Elle a quoi? Métis. Oh mon dieu. Il n'y avait pas Mako dedans. Ok. Bon bah au pire je prends quelqu'un de mauvais. Et comme ça vous êtes sûr que je ne l'utiliserai pas, quoi. Mais au moins il prend de la place et je devrais de toute façon justement éliminer quelqu'un d'autre. La place ou bien je prends quelqu'un de bon, quoi. Non, ce serait trop pété, j'ai déjà pris Alice, quoi. Au pire, ce qu'on fait, c'est que je dis, ben, je prends le petit Tsurugi pour l'autre équipe et que je prenne Alice pour cette équipe-là. Vu que de toute façon, ouais, je pense que je vais faire ça. D'un côté, c'est assez compréhensible. De toute façon, il est nul aussi, donc voilà. Donc, j'ai plus que deux joueurs à recruter avant de virer des joueurs, c'est super. Bref. On va commencer, enfin. Hi! Alors, les Battle Brothers. Je pense que je sais déjà qui je prendrai dans cette équipe. Oui! Oh, ça m'excite! Je sais déjà qui je vais prendre. Ah là là! Pur plaisir! Pur plaisir! Oh! Oh! Tashipenu Odaze! Hi! Kaminari Tai! Battle Brothers! Battle Stato. Oh, c'est OST. Oh, je suis déjà au max. 3DS de merde. Carte
de son de merde. C'est parti. Oh mon dieu. Y'a Tsurugi, y'a Goini, y'a Yuchi, y'a Matatagi, y'a Shu, y'a Sosuke et Yoshishiko. Normalement c'est Yoshihiko, mais je pense que dans l'anime il dit plus Yoshishiko. Si je comprends bien, parce qu'encore une fois, moi. Sinon il y a les trois. Il y a les trois frères Kirkwood là. Oh, il a quand même Injection, hein. Nice. Ouais, puis les deux frères de Matataki, ouais, qui sont pas assez bons pour être sur le terrain. Oh, il est aussi forward. Lui, il est défenseur. Bizarre. Bref. J'ai déjà ma petite idée de qui je vais prendre, hein. Vous le savez aussi, certainement. Oh, merde. C'est Gurdon. Non, c'est pas Gurdon. C'est truc. C'est Sandorias. Mais c'est une planète de merde quand même. Allez, Yuchi contre Yuchi. Ah bah c'est Yuchi qui gagne. Oh merde, c'est Master Dragon. Ouais non, je m'en fous. Réellement. Non. Bah à l'aise. Attendez. Je peux faire 3 fois Kogetsu Jujisho. Le problème c'est que si je fais une fois Capoeira Snatch, je peux faire encore une fois Capoeira Snatch et après je peux faire un Shuto Ita. Bon allez, je fais Capoeira Snatch. Goto Wind. Oh, intéressant. Non ! Non ! Mais pourquoi elle a eu un coup critique ? Pourquoi ? Et moi un coup critique, s'il te plaît. 1415, j'ai eu putain de 1415. Oh mon dieu, comment ça commence mal. Coup critique. Ah merde. Ah les bâtards. Et la gravité de cette planète que je déteste absolument. Mais regardez les passes molles. Et non, on n'est pas dans Harry Potter, c'est pas Patmol. Pour ceux qui connaissent Patmol, GG. Je vous aime. Du coup on va pas prendre Phobos. Ben on va aller mettre Rin vu que Chaos est vraiment bon. Et comme si je l'entraîne il aura plus de KP. Et s'il a plus de KP, ben il pourra justement, après avoir utilisé 2 fois Mystic Zone, qui est sa Kenshin attaque. Allez, son Hisatsu Kenshin machin chose. Oh bordel, mais regardez moi cette gravité, la passe était parfaite. Et puis oh putain quoi. Bah oui, c'est du milieu de terrain. Oh merde, Indy. Nique ta mère. Et du coup, je pourrais même plus utiliser 2 fois Mystic Zone, quoi. À te faire foutre, quoi. Si là, je te jure, sur la tête de ma mère, si elle a de nouveau un critique. Bah voilà, 903, c'est quoi cette merde. 1415, voilà, c'est ça qui est bon. Faux bosseux. Non! Mais regardez-moi ces passes à la con! Regardez-moi ces passes à la con! Voilà, Rin qui n'a plus que 115, je ne sais pas. Bah ça va, il pourrait encore une fois utiliser le truc. Du coup, je sais pas. Ah, bah lui, j'ai pas encore vraiment utilisé. Ça pourrait être intéressant au milieu de terrain pour le renforcer un peu ce mec. Pour augmenter la force de Salubala. Ça peut être intéressant pour augmenter la force de son Konoha Rule. Le problème c'est que j'ai déjà non, je peux pas me le permettre. Non, parce que je dois quand même garder un soul pour lui et pour lui. Et si j'en ai déjà 3, ça va pas. Si j'en ai déjà 2, je pourrais jamais les mettre. Ok, on en voit beaucoup des Pendragon dans cette aventure, dans ce durant ce challenge. Est-ce que je le laisse passer? Je pense que vu que c'est un Kenshin, je ferais mieux de ne pas le laisser passer. Toi, tu reviens. Donc, Kira Illusion, même si je pense que je vais pas là. Oh! Oh! Master Dragon is in the place, motherfucker! Ne sois...
Ah, les cheveux mauves, je pensais que c'était faux, bah, allez, que c'était lui. Ah, Sosuke, même si c'est... En plus, il a l'élément supérieur, quoi. Oh, putain, il était sorti pendant que je me grattais l'oreille. Oui, fais seulement une Isatsu Tactics. On va rien faire. Je vais vous montrer ma tactique. Là, ils font Thousand Road. Ils vont rien comprendre. Ils sont devant le but. Eh ben non. Moi, j'utilise ma propre Isatsu Tactics. Au lieu de perdre des TTP inutiles, ben, je fais juste un petit box lock defense. Et c'est bon. Non, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Rien ne va dans ce match. Rien ne va. Rien ne va. Bon, Rin. Égrouille-toi. Bien joué, ça! C'est ça qui est bon! Merde, c'est chu. Merde, il est petit bois, le gardien. Vraiment, je vais péter un câble. Hein. Ils veulent vraiment me faire chier jusqu'au bout. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas envie de rater. Tu vois, que lui descende du coup et que du coup, il y a hors-jeu. Donc, je vais faire ça directement comme ça. Yes! Mystique Zone. Oh putain, un critique. Je l'aurais pas eu sans. Non, vas-y! 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 Je suis désolé, Shibile Minus. Ok, ça n'a rien à voir avec la puissance. Ne vous inquiétez pas. Galactica Fall! Putain, 1213, quoi. Oh, oh, oh! Oh mon dieu! J'ai réussi! Oh mon dieu! Rien. Non, non, je vais me taire. Il y a des enfants qui écoutent. C'était pas drôle, Emma. Mais pas drôle du tout. Vas-y. Vas-y. Vas-y, Yoshishko. Et un truc de merde. Genre un bon gros Kenshin d'attaque. Un Kenshin de tir, mais pas un Kenshin de dribble en tout cas. Gigi, bah lui. Mais encore une fois, on va utiliser d'abord Dragnova. Allez, s'il te plaît. Dandoru, non, l'autre de Dandoru. Dandoru de type terre. Je me souviens plus de son nom. Ah non, il a fait la passe. Ah le bâtard. Non. Tobisuke, tu l'as. Tu l'as. Il l'a. S'il ne l'a pas, c'est vraiment une grosse merde. Merde, mais j'ai plus de TP. Ah si, j'en ai encore. Je sais pas quoi faire comme passe. Mon dieu. Mais c'est des passes que de merde. Oh, 55. Ah non, il peut plus. Contourne match au chaos. Ah, Amido. C'est moche. Et il me dribble même avec ça. Bah oui, Tori que... Non mais 708, 712, c'est pas possible. Ike Master Dragon. Yes! Mais je vois même pas pourquoi j'ai fait ça à la 27ème minute, quoi. Je sais ce que je vais faire. S'il te plaît, tout n'est pas cela. S'il te plaît, Tenma, s'il te plaît. Non, c'est impossible. C'est impossible. Putain, j'avais envie de faire un truc trop cool. Tiens! Oui, oui, on va y arriver. Oui, 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 oui. Catch up level 3, oh le bâtard.
Mais bon, je préfère maintenant que tantôt, quoi. Qu'un autre moment. Attendez, deux secondes. Bon, non, il l'avait pas. Putain, ça m'énerve des gens qui m'appellent, quoi. Putain, mais je le dis clairement dans la description. Ne m'appelez pas. Ne me rajoutez pas dans un groupe, quoi. Bordel, quoi. Arrêtez de m'appeler tout le temps. C'est pas cool. Donc. Eh bah oui, du coup, t'as perdu ton Keshinarmet, hein? Hein? Tu te sens baisé, hein? Oh. C'était pas moi. C'était pas moi que... Non, c'était quelqu'un d'autre. C'était ma petite sœur qui avait fait ce bruit. Oh, qu'est-ce que... Je raconte de la merde en plus, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Comment c'est possible de raconter autant de la merde, quoi? Yeah! Stato! Tobisuke Alice. Je pense qu'on a trouvé un bon compromis hein, pour Alice là tantôt. Oups. Oui. Les passes sont merdiques. Et là, je n'arrive pas. Non, 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 non. Est-ce que je fais un Kogetsu Jujisho? Le problème, c'est que ça relance directement au milieu du terrain et j'aime pas trop. Bon allez, un Kogetsu Jujisho pour dire d'une fois utiliser autre chose. Oh merde. Oh mais ça va, à l'aise. Easy mode. Kogetsu Jujisho. Allez, c'est quand même badass hein, comme technique, avouez-le. Avouez-le, c'est badass. Merde, je pensais que c'était... pourquoi tu fais pas la place directement? Moi-même, j'ai entendu que j'étais genre super dans l'aigu là. Merde, motherfucker. Non, non, mais bougez mieux, bordel de merde. Tant que j'y pense aussi. Kigilas. Si c'est bien lui, parce que j'ai dit ça de tête. Si. Allez, allez, mais non, mais il y a deux joueurs qui passent juste à côté, quoi. Non. I take the risk. I accept your challenge, bro! I accept your fucking challenge! Chuto Ita. Atomique Fléa. Hey. Mais parce qu'en anglais, on dit hey et pas a. Chuto Ita. Faudrait que ça évolue à un moment, hein. Ce serait bien. 1700! 1700! Jelly, s'il est pas hors jeu, hein. Il est hors jeu, je pense. Non, il l'aime pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Easy. Easy mode. Easy mode. Easy mode. Fooding Kazan Destroyer. Pour un peu varier les plaisirs. Le gardien est nul. Pourtant, il a le bon élément, il a le bon élément. Mais non. Akraus. Et j'oublie toujours son nom en fait à Akraus. Hein. Pourtant, je me tais. J'ai pas vu comment il s'appelait l'autre, mais c'était l'un des trois bros de Kirkwood. Ben. Alice Kun, tu vas aller te mettre là. Voilà. Et magnifique, hein. Et Magical Flower, tu vas l'attraper, hein. Vu que c'est... Oh. Alice, kawaii-des. Non, en fait, elle est toute moche. Emma, t'aimais... mais oui, la gravité à la con. Ben oui. Mais non, non. Non, mais non. Yes. Hey, la team, elle commence à être bonne, là, hein. La team, elle commence à être bonne, hein. Non. Non, 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 non. Master Dragon, reviens. Reviens, Master Dragon. Master Dragon. Eh, mais tout le monde fait des bons efforts hein, dans l'équipe aujourd'hui. Tout le monde fait des bons efforts. Hein. Non, 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 non. Je vais d'abord aller un peu par là. Parce que Matatagi, il est dans le chemin. Eh, tout le monde fait des efforts là aujourd'hui. Tout le monde apporte quelque chose à l'équipe de bon. C'est ça qui est bon, surtout.
Goal! Désolé, la dernière fois, il y en avait même un qui avait dit que ça lui avait fait mal aux oreilles. Je suis désolé. Je suis désolé, mec. Je sais juste que t'avais un avatar de Shindo qui faisait son Kamino Takuto, mais je me souviens pas de ton nom, vu que je ne l'ai pas lu, et si je l'avais lu, je l'avais retenu, vu que j'ai une mémoire... Non, je déconne. Non, mais faut avouer. Par exemple, je regarde une série... Bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, même si j'ai déjà bien montré, c'est Revanche. Et en fait, il faut savoir qu'à un moment dans la saison 3, sans trop spoiler, vu qu'elle n'est pas encore sortie sur TF1, RTL, TVI, bref, elle est sortie que sur Canal+, en français, sinon, voilà. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont déjà vu, donc cette troisième saison, donc je vais éviter de spoiler. Mais bon, il y a un mec qui meurt à 23h... Oh merde, en une fois j'ai... Non. 23h36, et ben j'ai toujours retenu. J'ai toujours retenu. Pourtant, j'ai vu qu'une seule fois, hein. J'ai toujours retenu. Bref, et j'en suis sûr, hein, que c'est ça. Bref, je parle et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire entre-temps. Oui, je vais aller remettre Alice, parce qu'il y avait Goenji et il n'est pas efficace. Voilà, et il est con en plus. Bon, on va un peu monter à 4. Parce que à cause de ces gravités de merde, j'ai pas vraiment la chance de faire de bonnes passes. Hops. Oui, continue. Ah mais non, gravité de merde. J'y avais pas pensé. Vas-y, Phobos. Akaus. Merde, j'oublie toujours son nom. Vas-y. Il est pas en jeu. Non, tire. Non. Oh, il est en jeu. Je suis excité. Excited. I'm so excited. And I just can't hide it. Ok, j'arrête. Je sors directement. Hops. On va le mettre bien sur le côté. Comme ça, l'autre ne va certes pas le déranger. Je savais que j'étais trop près d'un côté. Et ah bordel, cette gravité de merde là, et Jelly qui n'avance pas. Allez, avance. Non, t'as rien toi. T'es con. Allez, vas-y. Oh, bicycle kick. Bicycle sword. Oh, catch up level 1. Interesting. Oh, gamma strike. Ah, il a le Mikshimax avec Gamma, je pense. Gamma, il a... Oui, c'est son Mikshimax qui a les cheveux bleus. En tout cas, c'était puissant, mais pas assez. That troll, quoi. Non, mais regardez-moi ces passes de con. Ah, mais j'ai gagné. Ah, ouais. Shogi-des. J'ai gagné. Oh putain, encore un qui m'a appelé. Je vous jure sur la tête. J'en ai marre, hein. Mais vraiment, je vais le bloquer, hein, Skate. Putain, regardez la tête de Matadagi par rapport à celle de Yuka, quoi. On dirait qu'il a une tête énorme que celle géant vert. Pourquoi j'ai dit géant vert? C'est con, mais je suis con, mais c'est même pas marrant, quoi. Je tiens de qui, mon humour de merde? Certainement de mon père, mais bon. My fucking god. Destiny Cloud et Kill Breach en manuel. Mon dieu quoi, sur Go 2 Chronostone, je serais en train je serais fou. Parce que c'est génial ça. Mais ici, il y a le glitch dans Supernova, vu que j'ai pas mis mon jeu à jour, hein. Eh, ils sont cons, hein, franchement. Ils pensent que je vais mettre mon jeu à jour, hein, alors que ça n'a absolument aucun avantage. Donc la prochaine fois, ce seront les Battle Parents. Et encore une fois, je ne sais pas quoi qui prendre dans cette équipe. Attendez, je réfléchis. Y a qui dans cette équipe? Les parents. Mais y a qui comme parents? Endo n'a pas d'enfant. Et merde. Goenji n'a pas d'enfant. C'est tout. Le reste est de la merde. Non, je sais pas qui y a dans cette équipe, j'ai oublié. Mais bon, ça doit genre être le père de Minao, la mère de Minao, le père de ça. J'allais dire Sakuya, mais c'est pas elle. Mais c'est pas Sakuya, je veux dire. C'est Sakura. C'est Sakura. Nozaki Sakura. Ouais. Non. Le prochain match, je vais le détester.
fait le détester sa mère. Le stade Mizuno Hashi Starship Stadium. Mizu, l'eau. Non, toutes les passes sont merdiques quoi. Les passes, en fait, je vous explique. Non, vous le verrez dans le prochain épisode. Moi, je vais vous dire au revoir. Salut, bonne journée. On se retrouve pour le 5e épisode du Kaminero Challenge. Wow. Pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis con aujourd'hui. Je suis con. Je fais des choses bizarres. Et je vais me taire. Ok, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Allez, à la prochaine. Au revoir.